Saint-Esprit agit, Cognac. Saint-Esprit agit, Cognac. Moi, je voulais vous guider. Moi, je voulais vous contrôler. Souple. Saint-Esprit agit, Cognac. Agit. Saint-Esprit agit, Cognac. Moi, je voulais vous guider. Moi, je voulais vous contrôler. Souple. Moi pas fait rien sans vous. Oh non non non. Moi pas agi sans vous. Saint-Esprit. Moi pas fait rien sans vous. Non moi pas agi non. Moi pas agi sans vous. Je voulais vous guider, s'il vous plaît. Saint-Esprit agit, Cognac. Agit. Saint-Esprit agit, Cognac. Je voulais vous guider. Je voulais vous contrôler, souple. Au Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis Cognac. Oh, Saint-Esprit, agis Cognac. Je voulais vous guider, souple. Je voulais vous contrôler, t'as pris, souple. Je ne vais pas faire rien sans vous. Je ne vais pas faire rien sans vous. Je ne vais pas faire sans vous. Je ne vais pas agir sans vous. Oh non, non, non. Je ne pas faire rien sans vous. Non, 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 non. Je ne pas partir sans vous. Je voulais vous guider, moi. Souple. Bon Dieu béni, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure. Vous pourrez suivre le moment ça, que nous pourrons passer ensemble. Donc, vous-même qui êtes déjà présent ensemble avec nous, nous saluons à la gloire de Dieu. Et vous-même aussi qui pourrez gagner pour suivre le moment ça en différé, moi salue également à la gloire de Dieu. Moi, c'est Adorateur Bertin d'Orville-Mort. Donc, page Facebook, ça, que vous suivez live, là, sur l'île, il est Bertin d'Orville-Mort, Adorateur du Roi des Rois. Donc, nous bénis dans le Seigneur, puis une fois encore, je dis à. Qui va nous accès, qui va nous opportunité pour nous capables ensemble. Donc, comme on connaît déjà, ça fait presque un mois depuis que chaque dimanche, à partir de 3h30 pour y faire 4h, nous live sur page Facebook, ça a un seul but, un seul objectif pour nous capables partager enseignement avec vous, surtout sur ça qui concernait adoration. Et louange. Moi, c'est frère, moi, c'est ami, adorateur Bertin d'Orville-Mort. Et je dis encore qui c'est 26 juillet 2020, nous là avec vous pour nous capables de continuer à partager la parole de Dieu dans ce qui concerne l'adoration. Donc, tout de suite, pour une salle d'invitéo, nous pourrons prier le Seigneur et en plus, ma invitéo capable de partager. Live là avec un ami, un frère,
y a un monde quelconque sur page ou sur mur, sur WhatsApp, partager live là pendant 30 minutes que nous allons passer à inviter un autre monde à rejoindre nous. C'est sûr et certain que ça nous va discuter ensemble, la bénéfique, la servir pour permettre que nous sommes capables de grandir ensemble dans le royaume bon Dieu. Donc, on invite au Kounye là à disposer pour nous prier bon Dieu ensemble, parce que nous n'avons pas fait rien sans présence. À nous prier bon Dieu ensemble. Seigneur, nous disons merci, nous barons gloire, louange, honneur, exaltation que nous-mêmes seuls nous mérité. Merci pour le privilège, ça, pour l'opportunité ça, que nous avons, pour nous capables de travailler, pour nous permettre que le royaume soit capable de grandir. Merci parce que chaque dimanche, à partir de 3h30, dans le ça, pour permettre que nous, ensemble, avec Zami Nouyo, pour nous partager ce sujet ça qui est important pour la vie, nous, comme chrétiens, qui c'est adoration. Béni moment ça que nous allons passer ensemble, permettre que nous, chaque, capable de bénéficier qui choye de ce moment et permettre que ça nous pas le discuter, ça nous pas le partager, capable de contribuer au avancement au royaume. C'est prière nous devant vous, dans le précieux nom de Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc merci beaucoup, bon Dieu béni. Donc nous souhaitons prier le Seigneur. Donc tout de suite, nous allons rentrer dans le sujet nous pour aujourd'hui. Donc dimanche, là, nous avons fait une intervention côté que nous avons fait une tentative de définition sur ce qui concernait l'adoration. Donc, je dis encore, nous avons une deuxième tentative de définition. Donc, peut-être que nous avons gagné plusieurs dimanches. Nous avons gagné plusieurs dimanches que nous avons essayé de définir, essayé de garder ensemble, essayé de comprendre ensemble qui est l'adoration. Parce que j'aimerais te dire dimanche, définir adoration, ce n'est pas un bagage qui est aussi facile, parce que c'est assez vaste, et très vaste. Donc, pour y définir, ça m'a dit en pile paramètres à prendre en compte. Aussi bien que dimanche, on te dit adoration pas vraiment une définition. Et on te expliqué le pourquoi que on te dit que adoration, en réalité, n'est pas vraiment gagné une définition. Donc, si vous avez raté live dimanche, je vais toujours encourager vous. Là, vous avez raté en live. Donc, il est très important pour regarder live qui était fait avant. Et ça va permettre que vous mieux comprendre cheminement, vous mieux comprendre développement chaque sujet. Yo. Donc, dimanche, nous avons raté adoration dans un sens global. Et nous avons essayé d'apporter une définition personnelle à l'adoration. Et nous avons été invités aussi pour faire ça. Donc, nous n'avons pas des gens qui baillent une définition personnelle de l'adoration. Donc, nous espérons que nous n'avons pas trop tard pour être capable d'attribuer une définition de manière personnelle selon la façon dont Dieu aide pour comprendre l'adoration. Avant de commencer cette deuxième tentative de définition, nous, moi, je voulais faire un petit parler de adoration et louange. Donc, je dis à nous pas vraiment venir pour nous faire une différence. Donc, au fur et à mesure que nous avons avancé, que nous avons évolué, nous avons gagné pour nous faire une différence entre l'adoration et la louange. Donc, qui ça adoration est, qui ça la louange est. Peut-être qu'en plus le monde, ils confondent ces deux vocables entre adoration et louange quand nous gagnons. Il y a une incompréhension, donc certaines fois, ils ont mélangé, certaines fois, ils ont confondu l'un pour l'autre, certaines fois, ils ont voulu séparer, bon, pas mélanger, je me disais tout à l'heure, certaines fois, ils ont voulu séparer, dans le sens que, en plus, on pensait que l'air parlait de adoration et puis il a parlé de louange, donc il y a des cultes qu'on a fait, donc ils ont dit que la première partie service-là, c'est adoration, donc ça, vous pensez que vous faites, vous chantez de musique qui est assez slow comme ça, donc de musique qui pas entraînant, qui pas grand rythme, qui est assez rapide. Donc, certaines fois, on dit que c'est ça l'adoration, donc nous n'avons pas adoré. Le fait que nous chantons musique qui traîne, nous chantons musique qui n'est pas gay, une musique qui n'est pas chaud, une musique qui n'est pas fait danser, etc.
Donc, certaines fois, nous pensons que c'est ça qui est adoration. Et nous dit, le nous finons adorer, nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur et nous en une fois, le nous allons louer le Seigneur, qui ça nous va le faire, nous allons le frapper main, etc. Nous allons chanter en musique qui est assez chaude comme ça. Et puis, donc voilà, nous passons de l'adoration à la louange. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, bien que moi t'ai dit, ce n'est pas la différence entre l'adoration et la louange que nous avons fait jeudi. Mais avant même que nous commencions dans la deuxième tentative de définition adoration et louange, moi t'ai voulu attirer attention non sur ça. Donc, l'adoration et la louange, ils ont pas détaché l'un de l'autre. Ils ont pas détaché l'un de l'autre, c'est un couple béni. L'adoration et la louange, c'est un Dieu béni. Donc, il n'y a pas une question, là commence la louange, là se termine la louange et l'adoration commence. Donc, l'adoration et la louange, ils ont fait un couple, ils ont aussi à moi, j'ai habitué à dire avec l'équipe de louange, je me réunis avec eux. L'adoration et la louange, ils ont aussi à moi. Donc, pas grand question de où détacher adoration pendant chanter musique qui slow yo, qui c'est adoration. Et pour chanter musique qui gayo, qui c'est la louange. Donc cette question de rythme, c'est pas ça qui fait la différence entre l'adoration et la louange. C'est pas parce que moi chante en musique qui slow, j'aime dire tout à l'heure, qui veut dire que m'a fait adoration et m'a chanté en musique qui gay, en musique qui fait mon danser, mon absurde, etc. Donc ça veut dire que là, m'a fait louange. Donc, en réalité, ce n'est pas ça que lié. Ce n'est pas ça que lié. Puis devant, dans l'intervention que nous avons gagnée pour nous faire, nous sommes capables ensemble de partager la différence qui gagne entre l'adoration et la louange. Mais ça m'a fait préférer connaître aujourd'hui, avant nous entrer dans la deuxième tentative de définition. Moi, je voulais faire connaître que l'adoration et la louange, ils ont marché de pair, ils ont passé par eux avec l'autre. Donc, c'est ça que moi, je voulais attirer l'attention pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, pour nous, l'adoration avec louange, donc, différents côtés que moi, je fais intervention à parler de définition adoration différent, et définition adoration, définition de la louange. Donc, moi, habituellement, j'aimerais considérer les mots originaux. Moi, habituellement, j'aime considérer les mots originaux. Donc, parce que y a un peu de monde qui a attendu nous et qui prend le temps de nous connaître que la Bible, lui-même, était écrite en trois langues de manière originale ou bien de manière originelle. Était écrite en trois langues. C'est hébreu, grec et une partie en araméen. Donc, c'est dans trois langues que la Bible lui-même était rédigée, hébreu, grec et araméen. Donc c'est ça qui fait que dans toute dans l'école de théologie, donc dans l'école de théologie, donc li vraiment important côté que yo baille des cours surtout en hébreu et en grec, surtout en hébreu et en grec yo baille des cours parce que yon connaissance de l'hébreu et du grec, ça a permettre yon compréhension beaucoup plus poussée de la parole de Dieu. Ça permet que yon meilleure interprétation, une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Donc, certes, en profondeur, c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de révéler nous, pour nous arriver à comprendre la parole de Dieu en profondeur. Mais là que nous gagnons connaissance sous hébreu, nous avons connaissance sous grec, donc ça a aidé nous, en quelque sorte, pour nous comprendre des thèmes bibliques, des mots qui sont dans la Bible, la permettre que nous mieux cerner sens yo gagne signification que yo gagne. Donc c'est ça que fait moi toujours fait le devoir, toujours prend le soin pour moi considérer mots originaux le que nous a essayé définir ça qui relie adoration et avec louange. Et équipe de louange l'église côté que persévérer. Donc yo connaît mot ça yo parce que nous souvent partagé ensemble. Et peut-être que vous-même, capitaine de nous, vous êtes là-dedans, vous êtes capable de connaître, donc ça, nous ne pas le partager. Jeudi, nous voulons partager trois mots hébreux ensemble avec vous pour définir l'adoration. Trois mots hébreux que nous ne pouvons pas le partager
ensemble avec aujourd'hui, pour nous essayer capable de comprendre le sens de ce mot-là, qui c'est l'adoration. D'une part, on a considéré des mots qui aident nous à comprendre le sens de l'adoration. BDM, moi, salue. Nous saluons BDM. D'une part, on a considéré des mots hébreux qui aident nous à comprendre le sens de l'adoration. D'autre part, on a considéré des mots grecs qui aident nous à comprendre le sens de l'adoration. Et après, on a bien pour nous considérer des mots hébreux qui permettent de nous comprendre la louange. D'autre part, on a considéré des mots grecs qui permettent de nous comprendre la louange. Et par la suite, nous allons essayer comment adoration avec louange est mariée ensemble. Comment adoration avec louange est formée un couple béni ensemble. Donc, trois mots hébreux, je dis à Jean-Marie Dille, c'est trois mots hébreux que nous avons pour l'adoration. D'accord? Nous bien saisi ça, c'est trois mots hébreux que nous avons aujourd'hui pour l'adoration. Donc, c'est toujours une tentative de définition que nous avons essayé d'apporter à l'adoration et la louange. Donc, dès qu'on dit l'adoration, la louange arrive tout de suite. Donc, dès qu'on dit l'adoration, donc la louange, l'y arrive. Donc, ces trois mots hébreux, donc, ou même qui a noté, vous capable de faire ça. Donc, ces trois mots hébreux, nous allons énumérer ces trois mots hébreux pour vous qui permettent que vous compreniez le sens de l'adoration et la louange. Donc, j'espère que vous avez de quoi noter, vous capable de prendre. C'est Abad. Deuxième mot, c'est. Le premier mot, c'est. Le deuxième, c'est Abad. Et le troisième, c'est Chaka. Donc, je vais vous donner l'orthographe. Le premier mot, c'est Segad. Segad, c'est S-E-G-A-D. Le premier mot hébreu que nous avons considéré jeudi pour l'adoration. Donc, nous espérons que nous avons envoyé. Nous espérons que nous avons envoyé tous les trois mots. Mais le premier mot, c'est Segad. C'est S-E-G-A-D. Le premier mot pour l'adoration. Segad. Nous espérons que vous notez. Je vais appeler pour une dernière fois. C'est S-E-G-A-D. Segad. C'est le premier mot hébreu que nous avons considéré en termes de mots originaux pour nous essayer de comprendre le sens de l'adoration. Le deuxième, c'est Abad. A-B-A-D, comme ça se prononce. Abad, c'est le deuxième mot hébreu. D'accord? Le deuxième mot, c'est Abad. A-B-A-D, le deuxième mot hébreu, c'est Abad. Et le troisième mot, c'est Chaka. Chaka. Le troisième mot, c'est Chaka. C'est S-H-A-K-A-H. S-H-A-K-A-H. K-A-H. S-H. S-H-A-K-A-H. Chaka. C'est le troisième mot hébreu pour l'adoration que nous avons essayé de considérer jeudi. Donc, rapidement, je reprends les trois mots hébreux pour vous. Vous êtes capable de noter. Après, nous parlons de signification. Qui ça, chaque mot hébreu, ça, vous l'avez dit. Et pendant que nous avons essayé de voir chaque mot hébreu, ça a dit, nous avons essayé de comprendre réellement le sens de l'adoration. Le premier mot, c'est Segad. Le premier mot, c'est Segad. Le deuxième mot, c'est Abad. Et le troisième mot, c'est Chaka. Donc, si tu as un mot que tu n'as pas trop bien saisi, tu es capable d'écrire ça. Tu peux écrire ça en commentaire. Si tu as un mot pas trop bien saisi, donc tu reprends pour. Je reprends une dernière fois. Le premier mot, c'est Segad. Frère Bénédicte, bon Dieu béni. Le premier mot, c'est Segad. Le deuxième mot, c'est Abad. Noté. Maintenant, chaque mot, ça a une signification bien particulière qui aide nous à comprendre le sens de l'adoration, le sens de la louange. Donc, pas oublier au départ, moi, je t'ai montré nous que tout le monde qui a vécu, tout le monde qui existait, yo gagnant raison d'être. Et raison d'être ça par l'autre que l'adoration. Il passait à côté de l'adoration, il passait à côté de raison d'être, il passait à côté de raison existence. Donc, nous t'ai expliqué ça et nous t'ai montré que l'homme, c'est un adorateur inné. Donc, mon qui t'ai regardé live qui passe déjà, yo. Donc, il a rappelé très bien que nous avons partagé ça. Donc, l'homme en lui-même, c'est un adorateur inné. L'homme né avec le désir d'adorer. Et une fois que l'homme en lui-même, donc nous avons un petit problème de connexion qui a passé, donc nous espérons que ça a
la véritable le plus vite que possible pour nous capables de continuer. Donc, une fois que l'homme n'a lui-même lui pas décidé pour adorer bon Dieu, ou bien l'homme n'a passé lui à côté de l'adoration, donc l'homme n'a lui raté. Il rate raison existence. Donc, si vous créez, vous faites pour adorer, donc faudrait bien que ou en connaissance de qui c'est qui est adoration, pour capable de faire la dimension que bon Dieu lui-même veut faire. Donc, premier mot, c'est Segad. Premier mot, c'est Segad, il veut dire qui ça? Il veut dire se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. Donc, c'est la définition du premier mot hébreu, qui c'est Segad. La définition du premier mot hébreu pour nous aider à comprendre le sens de l'adoration. Donc, ce mot hébreu-là, c'est Gad. Ce mot hébreu veut dire se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. Se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. C'est la signification du premier mot hébreu. Et c'est ce mot hébreu-là, c'est bien Segad. Segad veut dire qui ça? Segad veut dire se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. C'est ça Segad veut dire. Donc, premier mot hébreu, ça, il t'a demandé pour nous chita sous lit, pour nous essayer de détailler, de décortiquer. Donc, bien entendu, ce n'est pas dans une conférence que m'y est. Donc, si m'y est dans une conférence, dans une assemblée quelconque, côté que t'es gagné une semaine de conférence, donc, nous t'es capable de passer des jours à parler, à détailler ce premier mot-là qui c'est Segad. Donc, c'est ça qui fait nous dire que l'enseignement, ça y est, il y a demandé pour qu'il y ait un suivi qui fait là-dedans, soit au niveau de l'assemblée, quelconque, un suivi qui doit être fait pour que l'enseignement soit capable de beaucoup plus développer. Donc, comme c'est 30 minutes, nous gagnons pas chaque dimanche, donc nous essayons très précis et concis. Donc, premier mot hébreu avait dit se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. Donc, nous remercions chaque monde qui est déjà en bas live là donc, et qui a partagé. Donc, même si live là est terminé, vous êtes capable de continuer à partager pour que le monde qui n'a pas de chance live ensemble avec nous, vous êtes capable de bénéficier de paroles ça, même si c'est en différé. Donc, moi, encourage vous et moi, remercie vous même qui déjà a partagé live là et moi, encourage vous à continuer à faire ça. Parce que chaque monde qui tend des paroles, ça y est, donc c'est sûr et certain, le Saint-Esprit de Dieu a un travail spécial que la fin dans la vie, la plouvre de Dieu, pour comprendre le sens de l'adoration, ça que yo existé, yo créé pour lui-même, pour yo fait. Donc se courber. Donc si vous regardez même, si vous apprenez un mot ça seulement, se courber. Si nous apprenons pour nous accentuer sous mot ça, sous verbe ça, que c'est Gad fait nous penser avec, c'est se courber. Donc ça seulement, tu as fait nous dire un pile bagaille. Donc moi, invité à mettre accent sous lit qui c'est se courber. Ce mot ça est très intéressant dans la définition mot c'est Gad là. Se courber. Et puis il y a le mot crainte, il y a le mot respect. Il y a le mot crainte. Il y a le mot respect. Donc, le mot dit que m'a adoré, c'est exprimer, m'a exprimé respect que moi gagne pour bon Dieu. Respect que je gagne pour lui, crainte que je gagne pour bon Dieu. Donc, la crainte, c'est différent de la peur. Donc, ce n'est pas peur que nous peur bon Dieu, mais c'est crainte que nous gagne pour bon Dieu. Donc, je pense que nous connaissons la différence entre crainte avec peur. Donc, nous n'avons pas besoin et chita sous ça, qu'on y est là. Donc, je m'invite à mettre accent sur trois mots. C'est se courber, crainte et puis respect. Donc, trois mots, nous joignons dans la définition premier mot hébreu que nous avons là, qui c'est Segad. Donc, ma propre pour nous. Nous avons trois mots hébreux que nous avons essayé, ouais, je dis, je ne suis sûr que nous avons tous les trois. Je ne suis sûr que nous avons tous les trois, mais c'est dans le cadre de tentative de définition que nous avons essayé d'apporter avec vos vocables qui c'est adoration. Trois mots hébreux, c'est Segad, Abad, Shaka. Donc nous sommes définis premier mot hébreu à vous, qui c'est Segad. Premier mot hébreu qui c'est Segad, il veut dire qui ça? Il veut dire se courber. En manifestant une grande crainte
et un grand respect. Donc si on dit ou pas adorer bon Dieu ou pas manifester respect pour bon Dieu, donc nous t'a supposé à poser cette question, est-ce que c'est de l'adoration? Est-ce que c'est de l'adoration puisque me dit m'a adorer bon Dieu mais au fond de moi-même, m'a pas senti que aucune crainte pour bon Dieu. Au fond de moi-même, m'a pas senti que aucun respect pour bon Dieu. Et le respect que moi gagne pour bon Dieu, ça capable manifester de différentes manières respect que moi gagne pour bon Dieu. Donc non seulement la au fond de moi-même respect que moi gagne pour bon Dieu au fond de moi-même, mais respect que moi gagne pour bon Dieu, li pral manifester, li pral extérioriser respect ça que moi gagne à l'intérieur de moi-même pour bon Dieu. Donc pour adorer bon Dieu, c'est pas parce que m'a chanté aussi fort qui fait que m'a adoré bon Dieu. C'est pas parce que m'a fait en pile bruit bien que puis devant nous pas le tout ça m'a dit yo important dans l'expression de l'adoration. Ça m'a dit yo là fait du bruit, crier à haute voix, etc. Tout ça c'est très important, hein. C'est très important dans ça qui concerne l'adoration et la louange. Mais ce n'est pas réellement l'adoration. C'est expression adoration. Hein. Donc adoration en lui-même, elle commence à partir du respect que je gagne pour Dieu. Adoration, elle commence à partir de la crainte que je gagne pour Dieu. C'est là que adoration elle a commencé. Donc moi je voulais que vous commenciez par questionner tête ou à partir de ce premier mot là que nous avons. À partir de premier mot ça que nous avons, qui c'est Segad. Segad, c'est le premier mot hébreu que nous avons aujourd'hui, qui a aidé nous comprendre le sens même de l'adoration. Segad, il veut dire se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. Une grande crainte et un grand respect. C'est le premier mot. Donc, m'espérez que vous réfléchissez sur lui. M'espérez que vous méditez sur lui. Donc, si c'est seul mot ça que nous avons aujourd'hui, donc que nous avons, et puis le dimanche, nous avons l'autre mot au fur et à mesure. C'est Gad. C'est le premier mot pour adoration qui veut dire se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. Pendant que moi-même, moi, je ne m'a pas adoré le Seigneur. Pendant que vous-même, vous dites adorer le Seigneur. Est-ce qu'on sent qu'on a une crainte pour bon Dieu? Est-ce qu'on sent qu'on a un respect pour bon Dieu? Certaines fois, on a essayé d'avoir une crainte pour un monde. On a essayé d'avoir une crainte pour un leader qui dans l'église, non, soit pasteur, non, soit un diacre, un prédicateur, un évangéliste quelconque. Mais le plus important, c'est avoir de la crainte pour Dieu. C'est gain respect pour bon Dieu. Le gain respect pour un monde, ce n'est pas tout le bagaille qu'on dit dans la présence de monde. On ne peut pas dire que gain de côté qu'on campe, et puis gain un monde qui peut-être a une parole pour le dire, et puis monde regarde la présence tel ou tel monde là, et puis il dit comme ça. Si un tel pat là, m'a dit tel bagaille. Mais puisque un tel là, il n'y a pas qu'à dire pour qui ça? Parce que il y a un respect pour un tel qui là. Il y a une crainte pour un tel qui là. Donc, crainte que j'ai pour bon Dieu, puisque j'ai une crainte, j'ai un respect pour bon Dieu. Même les gens qui ont une crainte pour un monde, pas dit n'importe bagaille en présence de monde, ça fait une crainte pour l'IA. Imaginez Dieu. Dieu est partout. Il est présent partout et en même temps, il est omniprésent. Donc, mot omniprésent, l'église me tout ça me dit, là, il est présent partout et en même temps. Donc, si je crainte pour Dieu, est-ce que je crainte pour Dieu, l'homme en dans l'église locale? Est-ce que je n'ai crainte pour Dieu pendant seulement en dans l'église locale? Et c'est ça fait moi te dire que adorer le Seigneur, il n'est pas chant.
Et adorer le Seigneur, par grand côté le commencer, par grand côté le fini. Toute la vie, nous, c'est de l'adoration. Et au fur et à mesure que nous avons avancé ensemble, on veut comprendre ça. Donc, crainte que je pour mon Dieu, à part tout côté passé, il est supposé manifester, il est supposé exprimer cette crainte-là que je pour le Seigneur. Donc, il n'est pas un simple chant. L'adoration n'est pas un simple chant, mais c'est une vie. Une vie consacrée à Dieu. Une vie déposée sur l'autel de Dieu. Une vie que abandonnée à Dieu. C'est ça, l'adoration. Une vie qui a un respect pour mon Dieu. Une vie qui a une crainte pour mon Dieu. Et les vies n'ont pas de respect. Les vies n'ont pas de crainte pour Dieu. Moi-même avec vous, chanter non yo fait de gros bruit dans les oreilles, bon Dieu. Chanter non yo fait de gros bruit dans les oreilles, bon Dieu. On nous commence d'abord par la crainte. On nous commence d'abord par le respect. C'est ça même adoration. C'est ça, bon Dieu. Les soif non même. C'est ça, bon Dieu, les soif non même. Donc, je ne pas senti pour me continuer et l'heure là déjà terminée. Donc, je seulement campé jeudi à ce seul mot, ça, qui c'est Segad. Dimanche, si Dieu veut, je continuer avec deuxième mot, qui c'est Abad. Et si bon Dieu, bah, nous tant. Si bon Dieu permet ça, nous prenons le troisième mot qui c'est Chaka. Donc, trois mots ça yo, ou déjà gagné yo déjà. Segad, Abad, Chaka. Trois mots hébreux. Donc, moi-même, je dis à m'te estimé à ouais, les trois ensemble avec vous. Même senti il est important pour nous réfléchir sur le premier mot. Senti il est important pour nous commencer par questionner vie nous. Moi-même, il est important pour me questionner vie pas. Ou même les très questionner vie pas. Pour nous dire tout bon vrai, est-ce que m'a adoré? Moi, je avec vous dit, est-ce que vous m'a adoré? Ça est très important. Donc, que le Seigneur capable d'aider me comprendre, que le Seigneur capable d'aider à comprendre, et pour nous arriver. Offrir bon Dieu, adoration que l'abtenne dans mes noix. Donc dimanche, si Dieu veut, nous allons continuer avec le deuxième mot qui c'est Abad. Et j'aime te dire, si possible, ouais, le troisième mot qui c'est Chaka. Donc, tant que mes dépenses à passer avec nous pour nous essayer de définir l'adoration la plus longue que possible. Donc, moi, j'ai estimé que nous allons aller plus vite. Avec mot, yo, avec définition. Yo. Mais ce n'est pas peut-être ça le Seigneur lui-même livré. Donc, en nous allant, Jean bon Dieu lui-même lui, inspirez-nous pour nous aller. Donc, premier mot ça que nous avons, réfléchissez-le. Partagez-le avec un autre. Expliquez-le. Expliquez un frère. Même j'en apprends une définition, ça je dis, partagez-le avec un autre. Parce que leur apprendre ou partager à un autre, pour permettre l'autre la grandir aussi. Ça, au point est de l'adoration, vous partagez avec moi. Je suis content. Ça permet que je grandisse. Même gens, ça, nous partagez avec vous. Partagez avec l'autre monde. La grandir aussi. Et ensemble, nous formons une armée d'adorateurs qui a levé le Seigneur dans une dimension extraordinaire. Ensemble, nous avons formé une armée d'adorateurs qui a levé le nom du Seigneur sur tout le monde, là, dans toute planète. Là. En attendant le grand jour pour nous adorer, c'est que nous avons la présence la journée ou la nuit. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Merci à nous tous qui étaient présents. Donc le plus important, ce n'est pas la quantité de monde qui est présent dans le live là.
Mais le plus important, c'est le travail que le Seigneur a fait dans la vie de chaque grain de monde. C'est ça qui est le plus important. Et m'encourager à continuer à supporter le travail ça dans la façon que vous êtes capable, pour plus de monde possible, capable de vivre touché par le message ça. Donc, adoration, c'est une mission que bon Dieu ben moi qui vraiment tient à cœur. Merci à vous-même qui m'avez aimé pour aider nous à faire travail ça. On est content pour nous être ensemble. Donc, dis-moi si Dieu veut, on va continuer avec Mosayo que nous avons énuméré pour aujourd'hui. Avant d'aller, premier mois c'est Segad. Deuxième mois c'est Abad. Troisième mois c'est Chaka. C'est trois mots hébreux que nous avons énumérés pour aujourd'hui dans ce qui concerne l'adoration pour aider nous comprendre le sens. Nous avons seulement arrivé aujourd'hui avec vous le premier mot qui c'est Segad. Dis-moi si Dieu veut, si trompette là pour sonner, si Jésus-Christ va tarder pour le retourner, nous avons ensemble un deuxième mot qui c'est Abad et s'il le faut, ouais, le troisième qui c'est Chaka. Merci, nous allons prier pour nous remercier, bon Dieu. Merci Seigneur pour présence. Merci parce qu'il est avec nous. Il a continué ensemble avec nous pour guider nous, pour orienter nous, pour enseigner nous. Merci pour chaque bien-aimé qui est présent dans ce moment ça. Et merci pour chaque ça qui va garder ce moment ça par la suite. Que parole ça yo capable aider nous à réfléchir et à prendre des décisions. C'est prière nous devant au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. À dis-moi si Dieu veut. Donc moi je voulais que vous commenciez par habituer avec rendez-vous ça. Donc c'est chaque dimanche 3h30 pour arriver 4h. 3h30 pour arriver 4h. Donc depuis dans 3h moins 5 yo moins 4 n'a pas en live pour nous temps nous. Donc à 3h30 en boule. Donc 3h25 n'a pas en live, 3h26, 3h27 yo n'a pas en live pour rejoindre nous et puis 3h30 pour nous capables de déraper. Merci à nous toutes, merci à Frère Bénédicte, merci à BDM, merci avec toutes les amis que nous pas cité dans yo. Donc que le Seigneur capable bénir nous. Moi souhaite une très bonne semaine. À dimanche si Dieu veut. Non pas ses amis ou frères, adorateurs, Bertin d'Orville-Mort. Au revoir et à dimanche.